La lumière du matin nous avait réveillés. Pour des raisons pratiques, nous étions passés par le Luxembourg. Sur mon curling, le train était moins cher et nous n'avions qu'une petite escale de 6 heures. Le temps de passer à acheter des bouteilles d'eau en verre pour M. Curling, que bizarrement il refusait de nous passer comme nous avions soif. Mais soudain, un événement majeur allait bouleverser le cours du voyage. Ulrich, j'ai un souci. La petite Noémie nous fait une hypoglycémie. Il lui faut du sucre. Et je préfère en parler, là. Zarbi, j'irai pas. Allez vite à la boulangerie. Achetez des trucs sucrés. Il faut absolument du glucose pour Ulrich. Oh, non, ils vont encore faire plein de crapules sur mon accent, ça va être lourd. Allez, viens, ça nous changera les idées, on aura plus à subir Mini. Déjà qu'on est vite là. Mini, pour la vedette de Jacob, si Noémie fait une crise d'épilepsie, elle a besoin en sucre croissant. Aria, allez acheter des croissants. Et un thé. Non, c'est moi, Coquelicot, avec un thé. Et moi, avec un thé. Un thé. Zarbi et moi-même nous mîmes alors en route vers la boulangerie. J'irai pas en fait les mimes en Paris, c'est juste super cliché. Ah bon ? Que puis-je vous servir ? Excuse-moi, j'ai eu du pain comprendre. Ok, parfait, boulangère, veux-tu recommencer s'il te plaît ? Bonjour, que puis-je vous servir ? Non, j'ai toujours pas, comment ? Vas-y, je vais la voir. Répète encore, on va là. Bonjour, que puis-je vous servir ? Ah, ouais, c'est fait. Deux croissants et deux trucs comme ça, là. Deux trucs comme ça ? Vous dites pas au chocolat ou chocolatine ? Pourquoi quand il vous sert ? Bah nous on dit de coucou au chocolat.